Vous allez avoir besoin donc pour ça d'une perceuse avec une mèche qui sera convenable, qui conviendra parfaitement au type de mur que vous avez. C'est un mur en placo, donc en BA13, en bois ou en béton. Donc la perceuse, également d'une perceuse visseuse-dévisseuse si vous avez, sinon d'un tournevis, d'un marteau, d'un marqueur, stylo ou autre, et donc bien sûr de vos chevilles et vis afin donc de fixer la tête murale et le nombre adéquat selon le nombre de trous que vous aurez sur la tête. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite pour la pratique. Première étape. Alors, vous allez avoir besoin de bien marquer les différents trous proposés sur la tête que vous avez, que vous êtes fourni donc au magasin ou sur Internet, que je viens marquer au mur. Je prends ici la dimension adéquate que je veux par rapport au mur, c'est-à-dire l'endroit où je vais fixer la guitare. Hop, et je viens marquer. N'hésitez pas à repasser dessus au cas où ça ne marquerait pas suffisamment. Ensuite, vous allez venir mettre votre mèche. Donc la mèche, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, elle va dépendre fortement du type de mur que vous aurez, si c'est du bois, du placo ou une mèche à béton en cas de besoin. Ici, j'ai une mèche qui va me servir pour le placo. Seconde étape, on va venir percer sur les marquages que nous avons effectués au préalable. Nous allons placer les chevilles dans les trous que nous allons marteler au marteau. Ne pas trop les enfoncer. Enfoncez-les suffisamment, mais pas à ras. Il faut que la cheville puisse suffisamment supporter le poids de votre guitare. Une fois que ceci est fait, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de venir retirer la tête ici, donc de venir la dévisser sur le support arrière. Gardez bien donc les axes afin que ce soit bien en harmonie avec ce que vous avez tracé sur le mur. On va venir changer la tête afin de venir visser celle-ci. On essaie de bien faire en sorte que tout soit bien aligné. Vous pouvez bien sûr effectuer ceci au tournevis si vous n'avez pas de visseuse. Je remets le support manquant, je le revisse sur la partie centrale. Et votre guitare peut être posée.